Allo, c'est Barbichetif à Paris, on se retrouve pour ces poubelles du rétro gaming. Alors je sais pas si vous l'aurez vu en introduction, si je le vous mettrai à la fin. Donc j'ai trouvé un Aptiva IBM dans les poubelles en allant à la piscine. Alors il y avait le gros écran, alors là je vais appuyer sur échappe et ça va marcher. J'ai ma petite frayeur, mais après je vais regarder sur un tuto pour enlever le mot de passe. Parce que c'était con, j'avais réussi à atteindre, à faire marcher le bidule. Alors comment ça se passe? J'ai trouvé ça dans les poubelles, et en fait, il y avait le gros écran IBM, mais bon, c'était trop lourd à ramener. Et il n'y avait pas la souris, donc heureusement, j'en ai trouvé une, j'avais récupéré une vieille dans les poubelles qui marchait. Il y avait le clavier IBM, c'est con que j'ai pas l'écran, mais bon. Alors là, on va plutôt déjà vider la corbeille. Donc voilà, et maintenant ce que nous allons faire, bien sûr, de très intéressant, si c'est possible, j'aimerais installer TIE Fighter sur PC disquette que j'avais acheté à l'époque. Depuis le temps que je vous bassine avec ce jeu, j'aimerais bien trouver une plateforme pour y jouer avec, parce que sur mon nouvel ordinateur, pas nouveau, mais des années 2000, je n'ai pas le truc disquette, donc je ne peux pas même le mettre sous DOSBox, machin, ou alors il faudrait l'émulation, mais bon, c'est moins rigolo. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est exécuter... non, il n'y a pas Windows. Je sais pas s'il y a programme. MS-DOS, ça m'arrangerait. Donc là, ouais, il y a des documents, machin, Montagnou, je sais pas quoi, Club Hotel, Ricoudoux, ouais, voilà, c'est la région. MS-DOS, voilà, merci, ciao. Donc là, je vais vous mettre... Ben là en fait je suis en train d'installer, mais il me dit que je ne possède pas assez de EMS, donc il faudra que je crée un boot disque. Mais d'abord, alors on me dit que je peux pas l'installer, mais avant de pouvoir créer le boot disque, il faut d'abord installer le jeu. Il y a 5 disquettes, j'espère que ça fera pas 10 minutes. Donc voilà, quand je veux installer la deuxième disquette, ça me dit qu'il y a un virus, qu'il y a peut-être un virus et que IBM antivirus va actionner. Sauf que ça le lance direct et il y a déjà un écran noir pendant 15 minutes, et puis donc j'ai oublié de faire CTRL ALT SUP et j'ai ça. Donc soit ça retourne vers l'écran noir où il n'y a rien écrit, soit j'abandonne. Donc moi j'abandonne, j'ai pas passé ma vie à... Peut-être que la disquette est corrompue, quoi que c'est bizarre, parce que j'avais mis le loquet vers le haut pour pas qu'il y ait des problèmes. Mais bon, encore une bonne installation de merde. Allez, ciao Pépito.